Idéo de Noël dans un pays francophone, la Suisse, par Samantha, Penelope et Axel. Généralité. La capitale de Suisse est Berne. Es la capital de facto. Es la cinquième plus grande ville de Suisse. La Suisse est voisine par l'Allemagne à nord, l'Autriche et le Liechtenstein à l'est, l'Italie au sud et au sud-est et la France à l'ouest. C'est un pays sans côte océanique, mais qui dispose d'un accès direct à la mer par les Rhin. Les Alpes occupent la majeure partie du territoire, 60%. La Suisse est aussi le berceau du Comité international de la Croix-Rouge et l'abrite en outre de nombreuses organisations internationales, dont le deuxième plus grand site de l'ONU après celui de New York. L'Office des Nations Unies à Genève, ainsi que les sièges à la Banque des règlements internationaux à Bâle et du Comité international olympique à Lausanne. La Suisse comporte quatre régions culturelles et linguistiques et possède quatre langues nationales, l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Alors que les trois premières langues sont officielles, le roman n'est le que parlement. En Suisse, le nom du Père Noël est Saint-Nicolas. Le 6 décembre, les Suisses fêtent la journée de Saint-Nicolas en Paris. Les Suisses croient que Saint-Nicolas apparaît le 6 décembre et remplit les chariots ou les voûtes des enfants pendant la nuit avec des oranges, des noix, et des biscuits. Saint-Nicolas est l'une des pièces essentielles du guide suisse de Noël. Dans la plupart des pays du monde, le Père Noël vient le 24 décembre. Saint-Nicolas ou le Père Noël suisse vient le 6 décembre. Avec un sac énorme de chocolat et de fruits à partager avec tout le monde. Le sapin de Noël. Les Suisses allument le sapin de Noël avec les vraies chandelles et les petits ornements. Les Suisses n'utilisent pas les bougies artificielles. Le sapin de Noël est décoré la ville de Noël avec un crêche en bas du sapin de Noël. Les Suisses décorent les fenêtres de la maison avec le signe de la naissance de Jésus. Les familles suisses vont à la messe de minuit le 24 décembre. Après la messe, les membres de la famille partagent du chocolat chaud et mangent des pains énormes appelés Wingli. Les enfants de Noël, de nombreuses familles ont également pour tradition de faire la décoration de leur arbres. La décoration du sapin devra être sous 24 décembre. Cependant, les enfants ne devraient pas le voir avant le soir, selon la tradition. Les bougies d'arbres sont très populaires dans toutes les régions de la Suisse. Catégorie. Les Suisses font les champs de cadeaux de Noël le 25 décembre, le 1er janvier ou le 6 janvier, quand les trois rois mages sont venus visiter l'enfant Christ. Les cadeaux sont amenés par Saint-Nicolas et sa femme Lucie au feu. Où est fondue China? C'est un plat qui ne nécessite pas de préparation meilleure dehors en cuisine. La viande, généralement du veau, est parfois combinée avec des morceaux de viande de cheval, pour être achetée dans le supermarché, pour être mise sur la table, ou elle peut être commandée chez le boucher. Ce sont des morceaux coupés lorsque la viande est congelée, très petite et fine.
les lacets comme un fil de papier ne dépassant pas 5 centimes. Placez les pièces sur des plateaux et à température ambiante. Elles sont placées sur la table comme des ringuets de caractère joué pour que chaque personne en fille et court, chaque pièce sur une fourchette avec une longue manche fine. Il est cuit dans un bouillon de légumes chauds placés dans le fondue. Une petite cocotte qui est placée juste au-dessus d'une flamme qui reste allumée au centre de la table. Parce que la viande est si fine, elle est prête à être consommée en quelques secondes. Lorsque vous retirez les fourchettes de bouillon, la viande est ajoutée, un peu de nez de sauce préparée à partir de marinades comme la soupe tartarée typique ou d'autres mélangées avec divers assaisonnements et compris du poivre, de curry ou d'épices.